Interview Expert est aujourd'hui eh bien, du côté de Lone Plage en compagnie du top 10 des pilotes de motocross sable, monsieur Victor Prossier. Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Ça va. Alors, après effectivement un moment difficile au niveau de quelques chutes, comment on en revient aujourd'hui? Dans quel état d'esprit? Ça va, je suis venu ici juste pour m'amuser, prendre du plaisir. Ouais. Et puis c'est tout, après la place on verra. Hein. Je suis pas là pour faire un résultat, plus pour m'amuser, car j'ai pas encore roulé depuis le Touquet, donc oui. C'est la reprise là aujourd'hui. Donc non, juste pour prendre du plaisir. La préparation physique depuis le Touquet, c'est quelque chose d'important que vous passez régulièrement, plus au niveau diététique pour arriver à quelque chose de correct? Ah, pour le Touquet, oui, c'est sûr, c'est beaucoup d'investissement, on se prive beaucoup. Après, là, maintenant, je travaille à côté, donc... Vous travaillez dans quoi? Je suis à mon compte dans le bâtiment. D'accord. Donc, dans le bâtiment, donc c'est un... Monter des parpaings, tout ouais, ça? Ouais, toiture, tout ce qui est toiture. D'accord, ok. En cas de problème de toiture, on peut venir vous voir. Ouais. Ok, alors, d'accord. Exactement. Donc, à la limite, une préparation physique en tendant un travail à côté, c'est pas toujours évident? Non, c'est pas évident, parce que des fois, on rentre du boulot, on n'a pas forcément envie de monter sur le vélo ou d'aller courir, donc non, c'est pas toujours évident, mais bon, on essaie de faire le maximum quand même. Quel est le plus important selon vous? La condition physique au niveau pour s'entretenir, vélo, course à pied, ou le côté alimentaire effectivement pour arriver à garder une bonne hygiène de vie? Je pense que moi je suis plus physique, moi j'ai jamais fait attention à ce que je mangeais. Ah non, non. Après, j'ai jamais fait attention, j'ai essayé une fois et ça n'allait pas, j'étais plus fatigué qu'autre chose. Oui. Mais non, question alimentation, je mange comme quelqu'un comme tout le monde. Quoi. Des frites juste... de temps en temps? Ouais, souvent même. Ah ouais. Souvent. Moi ça joue pas sur ça, moi je suis plus à m'entraîner et puis bah mentalement c'est là où c'est ma force. Quoi. Ok. La question que l'on se pose aujourd'hui quand on est pilote de motocross, la partie psychologique, pour vous c'est vraiment important, le départ, les jours avant une compétition, on a un petit peu de mal à se préparer, comment ça se passe? Pour certains oui, moi c'est pas mon cas, moi je sais que j'ai pas trop de pression avec ça, quoi. Juste 2-3 jours avant, quoi, mais on est bien entouré, on a une bonne équipe, tout ça, donc on n'est pas trop stressé avec ça. Pas de sophrologie ou quoi que non, ce soit, non, non, non. Pas besoin de, entre guillemets, de décompresser, de voir autre chose avant effectivement une compétition. Non. Bah pour moi personnellement, non, j'ai pas besoin de tout ça. Non. Que ce soit le Touquet ou autre, ouais, on arrive effectivement serein dans les compétitions. Le Touquet est toujours un peu plus compliqué car c'est la course qu'on attend, on attend une année pour celle-là. Mais après, sinon, toujours un peu plus de pression au Touquet forcément parce que c'est à côté de chez moi et tout le monde est là pour m'encourager. Mais après, toutes les autres courses, non, je les prends comme ça pour le plaisir, quoi. Et puis après, les résultats viennent automatiquement. La prochaine grosse compétition, ce sera Berck. Berck, ouais. Ouais. Comment vous allez effectivement voir pour vous préparer pour Berck? Bah, comme je l'ai toujours fait, quoi, bien m'entraîner 2-3 mois avant. Je reprendrai début septembre, bien reprendre les entraînements et puis après on sera prêt pour Berck. Ok, d'accord. Entre Berck et le Touquet, quelle est la compétition que vous appréciez le plus? Le Touquet. Ouais. Le Touquet, ça reste le Touquet, c'est mythique, c'est avoir autant de pilotes sur une course, c'est impressionnant. Ouais. Et après Berck c'est bien aussi, c'est un peu plus typé motocross, plus des manches, beaucoup de public, souvent il y a du beau temps, donc mais c'est sûr la favorite ça reste le Touquet. Vous préférez effectivement des manches ou des longues distances ou des longs temps entre guillemets comme le Touquet? Je suis plus en endurance, moi. Ouais. Plus endurance, ouais. Donc à la limite la préparation physique est très importante pour le Touquet. Ouais, voilà, exactement. D'accord, ok. Donc le cas échéant, on vous retrouve demain à Lone Plage avec le MX Chrono pour faire effectivement une reprise côté sable. Ouais. Pour vous, ce sera une première. Ouais. Et puis après, le cas échéant, on vous retrouve à Berck. Ouais. Et puis tout le championnat de France, je suppose. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, merci. Au revoir.